Salut internaute, aujourd'hui je te propose de découvrir Sharex, un outil qui va te permettre de réaliser des captures d'écran et de les partager très rapidement, et pas que. A tout de suite. Et on se retrouve tout de suite sur le site internet de Sharex, et comme c'est un projet gratuit et open source, vous avez tout simplement à cliquer sur télécharger pour télécharger le logiciel. Ensuite, vous l'installez, comme d'habitude, c'est très rapide, on clique sur suivant plusieurs fois, terminer, et ensuite on ouvre le logiciel. On se retrouve ensuite dans une interface très très simple. Alors, vous allez vous retrouver la première fois avec l'interface ouverte, mais vous verrez que les prochaines fois, vous allez plutôt voir l'icône en bas dans votre barre des tâches. Et donc, vous aurez tout simplement à cliquer droit dessus pour pouvoir ensuite cliquer sur afficher la fenêtre, ce qui vous permettra d'ouvrir la fenêtre de Sharex. Alors une fois dans l'outil, vous allez voir, on va voir plein de fonctionnalités, mais bien entendu, l'intérêt principal, ça va être de réaliser des captures d'écran et de pouvoir les partager. Alors le plus grand intérêt, ça va être que vous allez pouvoir faire des captures d'écran, mais personnalisées, et donc vous n'allez pas avoir forcément à faire une capture d'écran totale de votre écran, mais vous allez pouvoir prendre des parties de l'écran. Alors pour cela, on peut tout simplement soit cliquer sur « Capture » ici, ou lorsque l'on a la fenêtre fermée, on peut cliquer gauche sur l'icône, ce qui nous donne cette couche par-dessus votre écran avec ce petit curseur. Alors en haut à droite, on a quelques informations. Alors si on passe dessus, elle bouge bien sûr, comme ça, ça nous laisse la disponibilité pour sélectionner la surface. Et donc on va avoir pas mal de possibilités. Alors la possibilité principale, si on ne s'occupe pas vraiment des informations, ça va être de tout simplement sélectionner une surface. Alors vous voyez qu'ici j'ai une forme elliptique qui est sélectionnée, c'est parce que la dernière fois j'avais fait une copie elliptique et on va pouvoir la personnaliser tout simplement en sélectionnant le pavé numérique. Donc en fait c'est les informations que vous avez ici en bas à droite sur la petite fenêtre juste au-dessus du curseur. Donc si on clique sur 1, on va avoir une forme rectangulaire. Si je clique droit, je vais annuler cette sélection. Ensuite je vais pouvoir sélectionner une forme arrondie avec les angles arrondis. Ou alors on va avoir donc la forme elliptique, la forme triangulaire, etc., etc. Comme ça vous voyez, on a vraiment beaucoup de possibilités, on va pouvoir personnaliser nos captures d'écran, et c'est vraiment en un simple clic que nous allons pouvoir réaliser ces captures d'écran. Ensuite on va avoir la possibilité d'ajouter une loupe, c'est-à-dire qu'on va voir exactement au pixel près où est-ce que l'on va cliquer. Donc vraiment beaucoup de possibilités, donc on prend une capture d'écran, hop. Et une fois que la capture est faite, eh bien vous allez voir, on a un petit 99% ici qui nous indique que la capture a bien été réalisée. Et en plus d'avoir été sauvegardée sur votre ordinateur, l'image a été uploadée sur un serveur. Alors elle a été uploadée ici sur le serveur de Image.io, parce que c'est quelque chose que j'ai configuré, mais bien sûr vous pouvez le changer. Allons maintenant paramétrer l'outil un petit peu plus. Alors on clique droit sur l'icône, afficher la fenêtre Sharex. Et maintenant l'idée ça va être de paramétrer là où nous souhaitons que notre capture d'écran aille s'uploader, se télécharger. Donc on va pouvoir cliquer sur destination. Et là on va voir qu'on a différents types de destinations. Alors lorsqu'on va effectuer une mise en ligne d'image, par défaut ça va être sur ce site internet, Image.io, sans compte. Ça va être un accès gratuit sans compte. Ensuite, on va pouvoir avoir pour le texte, on va avoir Pastebin, donc le même intérêt, un site complètement gratuit où votre texte va être copié directement en ligne et vous aurez un lien pour pouvoir le partager. La même manière, Videobin pour les vidéos. Et ensuite, on va avoir des services de raccourci d'URL, donc comme Google, et services de partage d'URL, donc Twitter, etc. Donc on va pouvoir paramétrer de quelle manière nous allons partager notre information. Et pour justement paramétrer tout ça, nous pouvons aller dans Paramètres de destination. Et à partir de là, vous allez avoir tous les services qui peuvent être utilisés avec Sharex. Et donc, vous allez pouvoir configurer tous vos comptes afin de les télécharger directement. Alors, vous allez me dire, oui, mais une fois que ça c'est mis en place, comment je sais vers où ça va? Alors, bien sûr, une fois que vos comptes sont personnalisés, vous pouvez retourner ici et sélectionner les comptes que vous souhaitez lier. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer des tâches à effectuer après la capture ou après la mise en ligne d'un élément. Et donc on va pouvoir par exemple ajouter des effets à l'image, un filigrane, de l'ouvrir dans un éditeur de texte, d'imprimer l'image ou comme moi par exemple la paramétrer pour la copier dans le presse-papier, l'enregistrer comme un fichier sur mon ordinateur, mais en même temps la mettre en ligne sur le serveur. Et donc elle va être mise en ligne sur le serveur en suivant les paramètres de destination qui ont été configurés, donc Image.io pour moi. Vous connaissez maintenant les fonctionnalités principales de l'outil. Bien sûr, l'outil est très très complet, il y a de multiples fonctionnalités.
On peut notamment, alors si on va dans Capture, Enregistrement d'écran en GIF, on peut sélectionner une partie de l'écran et en fait on va filmer l'écran et on va l'enregistrer. Alors vous pouvez donc montrer des actions à effectuer par exemple pour un tutoriel, cliquez sur Arrêter et vous allez vous retrouver donc avec une image animée dont on peut voir l'exemple ici et qui va être également mise en ligne donc sur le même site pour les images ImageUr pour moi. Donc vraiment de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être vraiment cool suivant ce que vous voulez faire sur votre ordinateur. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. En attendant, n'hésitez pas à télécharger le logiciel, à l'essayer et à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !